Bonjour à toi cher spectateur. Old de M Night Shyamalan. Bizarrement, c'était pas un film qui m'intriguait plus que ça, à part peut-être pour la présence de M Night Shyamalan et du concept. Mais je dois avouer que dès la première bande-annonce et dès l'évocation de ce que pouvait être le long-métrage, la première chose qui m'est passée en tête, c'est est-ce qu'un tel concept peut tenir un film entier Le résumé, pour faire simple. Une famille décide de partir en vacances, le père et la mère cherchant à faire passer à leurs enfants un dernier moment ensemble avant de se séparer. Dans un luxueux hôtel, au bord d'une côte, on leur propose d'aller se réfugier au cœur d'une plage éloignée de tout. Hmm. C'est pas un mauvais film, mais c'est un film bourré de maladresse. C'est un film qu'Amnight Shayamalan n'arrive pas à emmener jusqu'au bout. Clairement. C'est un film qui dure 1h50 et on sent qu'au bout d'une heure 25, il y a un espèce de lâcher-prise de la part de l'auteur qui semble vouloir amener le film dans une direction mais n'arrive pas à faire en sorte que cette direction soit aussi surprenante que ce que l'on pourrait attendre. Clairement, ce n'est pas un film dans la veine de ce que M. Night Shyamalan a pu nous proposer par le passé. C'est-à-dire que si vous attendez un film avec un énorme twist à la fin, avec une grosse révélation et avec un gros sous-texte, pas sûr que vous soyez vraiment conquis parce que m. netshamalan a souhaité mettre en scène au travers de ce long métrage ça reste un film qui a des réflexions très intéressantes autour de la vie autour du temps qui passe autour de la famille c'est plutôt subtil durant une grande majorité mais ça suffit pas à emmener le film et le concept jusqu'au bout parce que le concept veut tenir le film du début à la fin mais le concept est trop frêle. Le concept repose uniquement sur une vague petite idée. Et au-delà de ça, je trouve que Cheyenne Allen a voulu crédibiliser cette idée, là où il aurait peut-être dû laisser le fantastique prendre place, et comme souvent il aime bien le faire au sein de son cinéma, lui laisser apporter un petit plus finalement à l'œuvre. Or là... On va le décortiquer, mais je trouve que Shyamalan a voulu crédibiliser son idée, ce qui fait perdre finalement de son sous-texte à cette aventure et lui donne du coup une forme d'incohérence qui peut vraiment gêner pas mal de spectateurs et faire que rapidement on va se dire que ce concept ne tient clairement pas le film, car c'est le cas. Je ne cesse de le dire et de le répéter sur cette chaîne, mais un concept, peut-être la meilleure idée du monde et le meilleur projet sur le papier possible, s'il ne réussit pas à aller au bout de son ambition de base, soit celle d'être une œuvre entraînante et prenante, le long métrage en question se risque au pire problème possible, ne pas se tenir. Le roi du concept et de la croche forte, M. Night Shyamalan, nous embarque ici dans une œuvre qui ne marche pas sur la longueur, qui reste une bonne expérience de cinéma, et une réflexion profonde et assez intense autour de la vie et surtout autour du temps qui passe, et que l'on peut absolument pas stopper. Mais qui ne réussit pas le pari de plonger le spectateur dans plus qu'un bon concept. En termes d'écriture, le film est basé sur un roman graphique conçu par Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters, et donc c'est une nouvelle fois M. Natchell qui s'est occupé seul de la transposition à l'écran de ce scénario. Le film a des réflexions très intéressantes. Déjà, c'est important de le préciser le film, dès ses premières minutes, a envie de nous poser une famille qui est clairement dysfonctionnelle, et dans laquelle le vrai centre nerveux, c'est tout simplement ses deux enfants. Ces deux enfants sont réellement la force finalement de ce scénario. Trent et Maddox sont des personnages qui ont un vrai impact sur nos spectateurs et qui dès les premières minutes arrivent à nous affecter parce qu'on se dit qu'ils vont être l'essence même de l'immersion de nos spectateurs au cœur de cette aventure. Donc déjà ça c'est un très bon point qui permet de faire tenir le film sur la longueur. L'autre point qui réussit pour moi à faire tenir le film, c'est toute sa réflexion autour du temps qui passe, de la rapidité de celui-ci et du fait que lorsqu'on a des étapes dans la vie, on ne les voit pas passer. Et que même si on arrive à survivre à des étapes qui parfois peuvent être mortelles, mais qu'on réussit à battre contre toute adversité possible, malgré ça, on a la sensation que tout passe trop vite et qu'on n'a pas le temps de profiter des meilleurs instants possibles en famille. Ou entre amis, ce qui est une autre idée très intéressante et qui permet du coup d'avoir un vrai impact dramatique, notamment quand on a des gros retournements de situation qui arrivent au fur et à mesure que l'histoire avance. Je pense à deux gros retournements qui arrivent à la fin du premier acte et à la fin du deuxième acte, qui sont pour moi des vrais bascules et des vrais moments de vie qui ont une puissance et une crédibilité. Mais il faut avouer que derrière tout ça, le gros problème caché à Malan, c'est que à vouloir baser son film sur des concepts et des idées, il fait que derrière, il ne raconte pas grand chose et que finalement, le temps, qui est un de ses atouts durant une grande majorité de ses narrations, devient également son pire ennemi, parce que le temps donne la sensation de passer dans ce film. Il passe trop vite pour les personnages, mais pour nous, il passe trop lentement, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire au sein de cette histoire. Il n'y a pas grand chose à raconter, il n'y a pas vraiment de gros retournements dramatiques. Il y a des retournements au sein de l'aventure que vivent les personnages, mais pas de réel retournement dramatique qui va faire basculer le film et lui donner une nouvelle dimension. Et pour moi, ça bloque de ce point de vue-là. De l'œuvre de Lévy et Peters, Shyamalan propose une immersion par l'essence même de ce que se doit d'être une narration filmique, soit avant tout par le rapport entretenu entre les personnages, par un mystère omniprésent et par une proposition étonnante, celle de déjouer l'attente temporelle d'un scénario qui pourrait être trop linéaire. Mais derrière cela résonne la sensation que tout est trop frêle, tout est trop mince. Et même si les réflexions évoquées avant autour de la famille, autour du temps qui passe, autour de la filiation et de la compréhension de ses aînés ou de ses enfants peut donner lieu à quelque chose d'intéressant, cela ne suffit pas à rendre le scénario passionnant. En termes de mise en scène, M. Night Shyamalan, ça a toujours été un cinéaste qui préférait finalement euh, l'impact dramatique que va avoir une scène à un effet visuel qui va impacter cette scène. Et bizarrement, ici, il a voulu amener beaucoup plus d'esthétique pour renforcer finalement les impacts dramatiques que les différentes séquences vont avoir sur nous. Ce qui fait que ça montre tout de suite une énorme faille et une reconnaissance finalement de la part du cinéaste qu'il ne peut pas faire tenir son film uniquement par son écriture. Chose que par le passé, il se permettait parfois de faire de manière assez ouverte il faut bien se voiler, il faut pas se voiler la face. Par moment, M. Night Shyamalan, c'est un cinéaste qui pouvait sonner comme un peu plan-plan. Mais dans ce plan-plan, il arrivait à faire en sorte que ce qu'il écrive ait un vrai impact sur nous. Quand on regarde Signe, c'est un film qui esthétiquement n'est pas forcément hyper travaillé, mais qui par les actions au sein de son cadre, arrive à avoir un impact sur nous. Pareil pour le, sur le village. Mais là, je trouve qu'ici, le film est par moments trop esthétique, notamment dans ces nombreux effets qui sont supposés montrer qu'on ne peut pas sortir de la plage ou en tout cas que ça a un impact sur nous. Ces séquences-là sont trop esthétiques. Et derrière, il utilise beaucoup d'effets de mise en scène qui, personnellement, m'ont donné l'impression qu'il avait envie de faire son trip nouvelle vague, dans le sens où il utilise beaucoup de forts raccords, il utilise beaucoup de scènes où il y a des cuts en plein milieu, ou si ce n'est pas des cuts, comme si les actions passaient trop vite. Ce qui qui du coup fait écho à son idée de jouer avec la temporalité. Mais du coup, ce sont des effets qui sont très esthétisants et qui peuvent être classe, mais qui, trop répétés et trop mis en forme à trop de reprises, donnent rapidement cette impression qu'il n'y a encore une fois pas grand chose à raconter. Un peu trop tape à l'œil par instant, un peu trop dans l'envie de vouloir nous emporter par une mise en scène jouant sur des effets finalement très nouvelles vagues, beaucoup de forts accords, beaucoup de sons dans le temps parfois étranges et bizarres finalement, derrière ces effets, Emna M. Alan semble s'essouffler. Soit le long métrage a été fait dans la précipitation, soit le metteur en scène n'a pas réussi à savoir pleinement comment construire un théâtre temporel et dramatique ayant plus à nous offrir qu'une immersion par le concept. Et c'est peut-être dans cela que l'on sent que le metteur en scène indien et américain a perdu un peu de son charme, de son chien et de son énergie cinématographique. En termes de casting, euh, déjà je trouve que Vicky Creeps s'en sort plutôt bien. L'actrice arrive à jouer un personnage avec beaucoup d'ambiguïté alors que clairement ça pourrait être un personnage très sommaire. Je trouve que Rufus Sewell a une très belle interprétation d'un personnage qui est très ambivalent et qui a une très belle évolution au fur et à mesure que le film avance. Euh, Alex Wolfe et Thomasine McKenzie, qui jouent Trent et Maddox à une certaine période de leur vie, euh, sont tous les deux très bons. On peut également citer Abe ainsi que Nikki Amouka Bird. Euh, Ken Leung est également au casting de ce film. Ken Leung, c'est un acteur que j'adore et que je suis depuis longtemps parce que mine de rien il jouait dans le premier saut, et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup marqué à l'époque, et après on garde surtout en tête l'acteur principal du film, parce qu'on se rend compte, par le biais de lui, que tout le casting est un véritable atout de cette œuvre. Gaël Garcia Bernal est très bon dans le rôle de Gaël, apportant énormément à un héros simple, certes, mais également intéressant et vaste en termes de réflexion, nous plongeant avec une vraie passion dans l'aventure de cette famille. Au bout du compte... Old est un film qui va décevoir pas mal de monde, je pense. Parce que pour M. Night Shyamalan, vu la renaissance qu'il a eue depuis quand même quelques longs métrages, je trouve que celui-là s'inscrit malheureusement dans l'espèce de veine qu'a eu Glass. C'est-à-dire qu'il se repose sur ses acquis, il n'arrive pas à les pousser plus loin. Et du coup, nous laisse un peu sur notre faim, en voulant soit être trop esthétisant, soit en oubliant que finalement l'essence même de ces films et ce qui faisait la force de ces scénarios, c'était justement qu'ils étaient très travaillés. Donc je sais pas, est-ce que c'est le moment à nouveau pour M. Night Shyamalan de se remettre en question et de peut-être reconceptualiser son cinéma et lui redonner un autre sens? Mais en tout cas, personnellement, je trouve que Hold de M. Night Shyamalan est pas forcément à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir dessus. Ça reste un film qui est plutôt divertissant, mais qui est trop long pour ce qu'il a raconté, qui est trop conceptuel pour réussir à le tenir jusqu'au bout, et qui malheureusement ne tient pas forcément toutes ses promesses en termes de réflexion autour du temps et de la famille. Donc si vous êtes vraiment fan du cinéaste, allez-y, sinon je pense que vous pouvez passer votre chemin là-dessus. A plus